caméra se trouvait dans les lunettes du meurtrier. Faut envoyer un portrait robot chez tous les vendeurs de matériel vidéo. S'il est dans sa zone de confort, on est à peu près sûr que le magasin qu'il fréquente le plus est celui qui se trouve chez lui. Très bien. Vous avez entendu? Hot, je veux qu'on se concentre sur les victimes retrouvées dans le même secteur. Des lieux où il avait peu de risques de croiser des témoins. Et où la victime a été laissée là où il l'a tuée. Bon, d'après ces critères-là, juin 98, Emily Flynn trouvée dans son appartement, poignardée 33 fois. Hilary Abner, mars 2000, retrouvée dans son sous-sol, poignardée 18 fois. Cindy Stagnall, avril 2001, poignardée plusieurs fois, trouvée dans son bureau. Et mai 99, Vanessa Bright, 29 ans, poignardée dans son studio. Mesdames et messieurs, il semblerait qu'on ait trouvé une chronologie et une périodicité. Notre tueur est pris de folie meurtrière tous les 12 mois. C'est pas croyable. Il a tué toutes ces femmes, sans jamais se faire prendre. Va falloir alerter les médias. Buffalo a affaire à un...